Bon les gars, petite vidéo de spi, je vais vous montrer pas les stuff récurrents et importants à mettre sur, sur Nuke, mais les 4 stuff qui vont vraiment être décisifs dans vos rounds pour vraiment apporter du jeu. Parce que j'en ai trop marre de voir des rounds à la con sur Nuke. Donc vraiment, je vais vous montrer 2-3 stuff qui vont vraiment masterclass vos rounds. On va commencer en CT, puis j'ai 2 stuff en CT, 2 stuff en terreau. Je voulais pas vous montrer les walls et tout ça, c'est les gars, vous connaissez au bout d'un moment. Première smoke, quand vous loupez les deux premiers rounds, que ça baille une AWP en face, vous êtes sûr que ça baille une AWP, ou que vous êtes en juste en M4, il n'y a pas qu'il y a une AWP en face pour casser la ligne. Mettez ici dans ce coin-là, quand vous spawnez, alors faut le faire rapidement, sinon vous allez bloquer tout le monde et tout le monde va vous insulter. Visez ici, jump throw, et ça part sur une smoke caisse pour casser la ligne AWP. Et comme ça, votre collègue qui lui a push avec une flash peut jouer le raid de manière agressive. Deuxième stuff, toujours dans la même idée pour l'outside. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ici. Vous visez le milieu de la rampe. Là. Vous visez ça. Vous faites un pas de jump throw. Et vous mettez la molo pour l'anti-rush. Si vous le mettez un tout petit peu à gauche, c'est pour l'anti-rush. Et ici, c'est pour les pics, etc. Le mec qui est derrière la caisse pour support votre AWP. Bon, on va pas perdre de temps. On va partir sur les deux derniers stuff importants qui vont vraiment carry vos runes. En terreau, cette fois-ci, vous mettez ici. Cette smoke, franchement, je la mets tous les runes. Mais elle n'est pas suffisante outside. Elle doit être accompagnée, si vous voulez faire du outside, elle doit être accompagnée du wall smoke. Vous avez ici jump throw. Qu'est-ce qu'elle va apporter? Trois choses. Premièrement, si vous faites un outside, le mec qui sera main ne pourra pas décaler. Il sera obligé de cross la smoke pour décaler. Et du coup, vous aurez un free kill. Ensuite, si jamais vous faites un inté, les mecs qui sont outside devront cross la smoke et c'est des free kills s'il y a quelqu'un qui tient la sortie smoke. Troisième truc, c'est que le mec qui joue silo, il a vraiment juste une one way au niveau de la tête et son corps est caché. Ensuite, vous pouvez push ici et bon, là, la dépop, mais bon, l'atterrit comme ça. Si vous droppez dedans, en sneaky, vous demandez à votre pote qui fait du pot de la caille et tout ça, vous pouvez faire une infiltration ici au niveau du main pour jouer l'inté. Ça et du coup j'ai encore 2 stuff à vous montrer. En fait ça fait 5 stuff, je suis trop con, j'ai dit 4 mais ça fait 5, c'est pas grave. Donc les stuff importants, c'est je vais vous montrer la smoke even. Vous mettez ici vraiment coller les deux pieds en plein milieu du truc rouge. Et là faut regarder. Vous regardez ici par rapport au studio, vous prenez le premier boulon à gauche, vous montez ici, donc vraiment juste automatiquement vous prenez ici, hop. Forcément, je vais tous faire un truc. Faut penser à casser les fenêtres, les refs. Hein. Voilà. Vous cassez les fenêtres, vous mettez là, ici. My bad. Vraiment centré. Si vous êtes trois, en fait, si vous êtes trois à droite ici, deux possibilités. Soit vous mettez ici, vraiment par rapport à ce bouton. Et donc là, ce qu'il faut viser, c'est ça. Je vais vous montrer, je zoome. C'est ici. Sinon, si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment bien centré sur le truc, vous arrivez. Et genre, vous ne faites exactement pas ça. Vous faites ici par rapport au bouton. Voilà. Ça marche pareil avec la flash. Hein. Par contre, la flash ne flash que le mec qui est even. Et là, vous avez une smoke even. Et la flash, elle va marcher pour le mec qui va être là, ici. Mais tous les mecs qui seront là ou sur le cabas, ça ne marchera pas. Dernier stuff. Important, c'est la molo cabas qui n'est jamais mis in-game alors qu'elle est trop importante. Vous arrivez, pareil, vous cassez la window. Le plus possible à gauche, comme moi là. Et là, vous arrivez, vous visez ici. Et là, le mec Kaba, il danse. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Si vous avez aimé, comme d'hab, petit like, commentaire, c'est important pour le début de la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Je pense que la prochaine vidéo sera sur Vertigo. Allez, ciao, ciao. Je trouve ça un peu plus à l'aise.